Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps, une partie épique de Demon Slayer, avec un rôle ultra intéressant, Demon Slayer UHC. Je suis sûr que vous connaissez le mode de jeu, mais un rappel ne fait pas de mal. Surtout que mon rôle dans cette partie est très lié aux règles du mode de jeu, c'est important. C'est donc un mode de jeu stratégique à rôle, un peu comme un loup-garou UHC. Sauf qu'ici évidemment, c'est basé sur l'univers de Demon Slayer. On a plusieurs camps. D'abord les Slayers, c'est les gentils, le village en gros. Ils doivent trouver des infos et utiliser leur pouvoir pour tuer les démons. Ensuite, bah on a les démons. Eux, c'est les méchants, les loups. Leur but est simplement de tuer tout le monde. Mais c'est ici qu'intervient une grosse différence avec LG. Ici, les démons ne se connaissent pas entre eux, ils n'ont pas de liste en début de partie. A la place, on a un rôle central, le Muzan, qui lui possède la liste de tous les démons supérieurs. On trouve aussi des démons inférieurs qui eux connaissent l'identité d'un seul démon supérieur. Ainsi, avant de pouvoir attaquer, il faut donc s'atteler à un travail de recherche chez les démons. Les inférieurs vont devoir trouver leur lune pour se faire connaître, et les démons supérieurs vont eux devoir trouver le Muzan qui devra alors partager sa liste. Sauf que évidemment, cela n'est pas sans risque. Il est très possible de se faire suivre, espionner, observer par de nombreux rôles qui pourront alors cramer le Muzan et les autres démons de la sorte. Et en particulier, on a Nezuko. C'est un rôle qui doit gagner avec les Slayers, mais qui est infiltré chez les démons. Elle apparaît dans la liste du Muzan. Celui-ci doit donc faire attention en partageant la liste de ne pas la donner à Nezuko, sinon les démons courent à leur perte. C'est donc un mode de jeu très compliqué. Dans un camp comme dans l'autre, il faudra enquêter, réfléchir et ensuite seulement passer à l'action. À part ça, il y a aussi des rôles solo et des myriades d'effets et pouvoirs variés selon les rôles. Vous connaissez le principe, il est l'heure de découvrir mon rôle. On va voir l'annonce du rôle dans quelques secondes, je vais libérer des slots sur mon inventaire. Alors, le rôle. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Alors, vous avez l'effet forcément permanent, ok, cool. Vous avez les effets faiblesse et lenteur 1 lorsque vous trouvez à moins de 10 blocs d'un démon, donc ouais, ça va être compliqué. Vous perdez 3 cœurs lorsque vous tuez un rôle féminin. Vous régénérez un demi-cœur toutes les 30 secondes. Vous pouvez traquer 3 joueurs dans la partie avec la commande DS-Track pour connaître leur position à n'importe quel moment et autant de fois que vous souhaitez. Utilisez la commande DS-Track-Si. Akaza, vous avez sans doute compris que c'est un rôle vraiment très fort. D'un point de vue PvP, pas tant que ça en réalité. J'ai l'effet force en permanence, sauf quand je me trouve à proximité d'autres démons, ce qui me donne slowness et weakness. Pas fou en combat, c'est clair, mais c'est justement ça qui est bien. Mon rôle n'est pas un rôle PvP, c'est un rôle à information. Grâce à ce malus, je n'ai pas nécessairement besoin que le Muzan me donne la liste. Il suffit que je m'approche de différents joueurs, et si je vois que j'obtiens slowness et weakness, je saurai qu'ils sont démons. Mieux encore, si jamais le Muzan me donne la liste, je pourrai trouver les démons inférieurs, mais surtout, cela me permet de trouver la Nezuko. Étant donné qu'elle gagne avec les Slayers, je n'ai pas d'effet négatif quand je suis à côté d'elle. Donc si le Muzan me donne la liste, j'ai juste à m'approcher de chacun des joueurs afin de trouver celui avec lequel je n'obtiens pas de malus. C'est très fort. J'ai aussi d'autres pouvoirs dont on reparlera, mais cette partie va être spéciale. Mais après, je peux attaquer qui je veux. Oh ! Oh yes ! Oh, ça va être trop cool. Je suis l'assassin. C'est une spécificité du rôle Tanjiro. Il a pour objectif de trouver et tuer l'assassin. Et c'est tombé sur moi. Je vais donc devoir me méfier car si je passe proche de lui, il sera alerté. Mais en contrepartie, j'obtiens 2 cœurs en plus, rendant mon rôle encore plus puissant en PvP. La partie s'annonce bien. Il est l'heure de continuer mon minage. Je vais me faire une lame de Slayer. Elle ne me donne aucun pouvoir, mais peut me permettre de m'innocenter auprès de certains rôles à info. Il est maintenant l'heure de remonter. C'est maintenant que tu vas commencer. Mais juste avant que j'arrive au centre, oublie pas de t'abonner et de laisser un like si tu aimes les vidéos dans ce genre. Ça donne beaucoup de force et ça aide beaucoup la chaîne. Merci. Tu es tout seul? Bah je viens de venir. Ok, ok. Je vois. Je crois qu'il y a des gens vers là-bas. Bah je vais aller au centre alors. Yo. Ouais, j'ai pas mal de monde. Ah mais les groupes, what the fuck. Bah je vais m'éloigner. Salut Fritos. Yo, je me fais défoncer par les mobs. Boum boum boum. Cool. Salut Gep. Salut. Bon, j'ai quand même une petite liste, mais pas si grande quoi. Là par contre, je vais pas attaquer si tôt, sauf si je croise le Kaguya solo. Si je croise le Kaguya solo, je le fume. Très vite, grâce à mon pouvoir, j'arrive à me constituer un début de liste de démons. J'obtiens aussi l'identité du Kaguya. Il a fait son pacte, ce qui lui retire 3 cœurs et lui donne weakness. Ça en fait une potentielle cible. Mais un joueur va faire son apparition au centre, le Muzan. Salut, t'es tout seul? Salut, oui, enfin... Ok. Aïe, c'est pas sympa. T'as croisé personne encore? Non, pas encore. Moi, t'es le premier que je croise. Enfin, apparemment, mais c'est tout comme. Moi, je vais m'y aller pour respecter les groupes. La rencontre avec le Muzan se passe bien. On s'éloigne du centre pour qu'il me partage la liste. On se cache pour limiter les chances de se faire voir, on sait jamais. Il me donne alors toutes ses infos. La liste entière, dont le Kokushibo, Sam Sam. Je lui donne aussi les infos que j'ai en plus avec mon rôle, puisque je connais un démon qui n'est pas dans la liste. Le Muzan va aussi me donner son boost de force, rendant mon rôle encore un peu plus fort. Parfait. Il est l'heure pour moi de trouver les derniers démons, mais surtout les Nezuko qui se trouvent forcément dans cette liste. Ayant déjà rencontré certains des joueurs, ça devrait être assez rapide. Mais justement, il faudra se dépêcher, car les Slayers passent eux aussi à l'action. Allez. C'est quoi par contre, mon ref. Ah, mais c'est Sabito. Ouais, bah.
C'est Sabito du coup. Ok, au moins c'est qu'il est safe hein. Il a tué devant tout le monde. Ah c'est vous qui avez fait les kills. Non, c'est Omega et Daiko qui ont tué Gyoko. D'accord. Moi j'étais dans un groupe, donc Fritos, il y a The Guild, Shenzi, Aineos et Risto. Et moi qui ont tué le Yaba. Ok, ouais, d'accord. Une. Voilà. Donc, je pense que ça peut être soit Gigu ou Totomas, je crois, ou Nether. C'est quand ces trois là? Ouais. Ah ouais, y'a qui? Totomas. Salut. Salut. Bon, on a vu, on sait combien ils sont morts, tous les méchants. Je vois, je vois. Bon bah on a les Nezuko. Et je l'ai trouvé. J'ai fait le tour du centre et je tombe sur Totomas. Il est bien dans la liste, mais aucun malus en passant à côté de lui. Il est Nezuko. Je vais alors utiliser un autre de mes pouvoirs, la traque. J'ai la possibilité de traquer constamment 3 joueurs dans la partie. Et vous l'aurez remarqué, j'ai activé ce pouvoir plutôt sur le Musan. Je vais le faire maintenant sur la Nezuko. Je n'ai plus qu'à rejoindre le Musan en faisant la commande, lui dire que j'ai trouvé Nezuko et utiliser la commande une nouvelle fois pour la retrouver. Une fois fait, il n'aura plus qu'à la tuer pour obtenir ses pouvoirs OP. Car oui, si c'est le Musan qui tue Nezuko, il devient vraiment très fort. C'est important qu'il ait le kill. Au revoir. C'était ce fut bref. Salut. Salut. Bizarre. Moi je suis safe. Attends, vraiment, t'as besoin de dire non, non, j'ai une idée sur un peu c'est un ouais, peu. Ouais, ouais, j'ai une idée sur un rôle, je pense. Et je pense que je sais qui c'est. D'accord. Je peux pas trop le dire. Ok. Ouf. Magnifique, hein. Par Conrad de gros, ah, je pense que ça va être un flop. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Le mec, il a jamais joué. Oui, oui, il était au centre avec Omega. Ils sont plus, après, je sais pas si c'est. Deux démons qui meurent dès le début et un ancien qui meurt dès le début. Bah en fait, Yaba c'est un peu coincé parce que s'il le tue pas, il perd du temps. Oh, le clan des stuffs est d'accord. C'est difficile de trouver des. Ah, c'est eux qui ont tué les démons normalement. C'est eux ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Hey Dark Lord, tu peux venir deux secondes, je peux te parler deux secondes s'il te plaît ? C'est quoi tout ça ? T'es combien là ? Ouais, c'est coup 2 c'est ça. C'est coup 2 c'est ça. Mais c'est le drame. Le Musan n'a pas vu le message que j'essayais de lui faire passer, alors qu'il ne suffisait que de ça pour nous mettre très bien. Et juste après, le groupe de Daiko lui demande de venir. Ce même groupe qui a déjà tué Gyoko. Je sais déjà ce qu'il va se passer, d'où mon mouvement de tête. Je sais très bien que s'il s'approche d'eux, il va se faire tuer. Et je ne pourrai rien faire pour empêcher cela. Je sais pas pourquoi il y est allé. Mais par contre, comment ils ont toutes les infos direct, genre... Et malheureusement, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le Musan est mort. Je sais à présent que je suis sûrement cramé. On nous a vus ensemble. Et ce groupe semble avoir beaucoup d'infos. Pas d'autre choix. Il va falloir passer à l'action au plus vite pour nous donner une chance. Bah, la game est ruinée, hein. Tiens, Gabi. De toute façon, je sais que t'es avec moi, tiens. Ah, mais je suis, t'inquiète. Ah, merci. Qu'est-ce qui est ça? Paix de famille. Alors, il était juste à côté, non? The Dark, là. Ouais. Mais. Ah, c'est pas de chance ça. T'as combien de gap? J'en ai beaucoup. J'en ai 9. J'en ai 27. Ok, merci. Il est con, il aurait jamais dû partir. Hein. Mais oui, c'était obvious. Je savais qu'il allait mourir avant ça. Mais dis ça, je cours. Hein. Attends, ouais, faudrait que je te passe. Au pire, je peux passer les gens. Oui, je l'ai joué. Oh, j'ai personne. Hein. Et je sais aussi qui est Nezuko. Bon, moi je me loigne de toute façon, faut que je me loigne. Mais supprime bien les panneaux après, ok? Ouais, ça me semble, j'ai tout. Ah bah, yes. Mais comment ils tuent tout le monde? Comment ça se fait? On dirait qu'ils ont toute la liste en fait. Non, j'ai aucun effet. J'ai littéralement aucun effet sur moi là. Je sais pas. Non, moi je pense que j'ai un chien en vrai. Non. Là je pense qu'il est gentil. Y'a Gap en dessous là. Y'a Gap? Il avait peur? Non. Qui se sent pour y aller en fait? Non, j'ai pas. Moi je n'ai pas d'effet en fait. J'ai pas. Moi je pense que. Moi je pourrais y aller. Non, moi je vais pas, hein. Okay. Comment ils savent? Vu que je dois rester seul avec mon rôle, c'est très dur d'attaquer vu la taille des groupes. Mais je chope une nouvelle information. Guy les démons. Il est bien infiltré, cela pourrait nous aider. Je vais donc encore une fois chercher une occasion d'attaquer. On va d'ailleurs tomber sur un joueur qui doit déco. Donc bah tant pis, hein, on le tue. Et je vais à nouveau chercher des opportunités. Dis-moi ce que tu penses. Non, je sais pas ton rôle. Je pense que je sais pas ton rôle. Non. What? Ah. Ça c'est con ça. Ouais, alors ça va être tendax du cul ça, hein, cette histoire là. Il faut qu'on le tue bien, absolument. Putain, comment je le tape pas? Ok.
Alors là, j'ai un autre problème. C'est que tu vas mourir ? Pardon. Non, je pense pas encore. Je me fais sauter, hein, je me fais sauter par Gil et Aslan et tout. Ouais, Gep, Aslan. Venez, Gaz. T'inquiète. C'est pour équilibrer la game, t'inquiète. Et là, il arrive sur vous. Oh putain ! Oh non. Attends, en fait, je me suis fait. Derrière. Je me suis fait fort autour. Ouais, moi aussi. Je me mate. Mais y'a 50 millions de personnes qui regardent autour en fait. Oui, mais c'est ça le problème. Y'a 50 millions de personnes en fait autour là, écoutez, se casse genre. Faudrait m'aider les gars. Moi je suis bien, c'est tranquille. Mais. Moi je suis bien. Mais attends, ils sont combien là par contre ? Je sais pas. Non, mais nous on est vraiment 4. Donc lui il est un gars de lui. Merci mon gars, merci, ça fait plaisir, merci. T'inquiète, pas encore en fight dans le haut, moi je me barre ensemble. Attends, moi. Après, ouais, c'est pas grave ce que je fais avec vous en fait. Ah. Bah, je m'éloigne. Gaël, t'as pas la liste ? Si, il a la liste, oui, je peux te confirmer, il a la liste. Comment tu sais ? Bah, parce que le Muzan te l'a donné en début de game. Et comment tu sais ? Et j'étais au-dessus des armes. Mais t'inquiète. C'est mauvaise idée de me fight, point. Non. Eh, vous venez ? Non, mais il est solo. 6 partout. Et vous êtes 5 ? C'est groupe de 4 ? Oh. Thomas, viens. Oh nick. Mais vous êtes même 7 en fait. Oui, mais il y a ouais. Les gars, je suis bien en fait. Je suis bien, moi, de toute façon, je peux largement tanker. Ah ouais ? Mais non. Mais vous pouvez ne pas être 7 en fait ? Bah non, mais 4. Bon, vous. Mais il y a Kaza, il reste toujours tout seul. Ouais. Mais je pense que s'il me fait contre moi, il va prendre cher. C'est bientôt le jour, hein. Ah, mais dans tous les cas, il. Ah, quoi. Y'a Gabe derrière, enfin Gabe dessous. Ah, là. Et un mec. Je dois mettre juste un mec. Non. Oh, je peux tanker tellement de dégâts. J'adore mon rôle. Et vas-y, viens de toi, Gabe. Par contre, je suis avec potentiel. Aïe. Ah. Attends, j'arrive. J'ai un mic-up. Oui, bon, t'as un demi-coeur quoi, je vois ta vie. Ok, il est gentil. Allez, hein. Vas-y, je suis obligé de jouer avec vous, hein, vous faites des sims. Bah, clairement. Ah, je me bloque, nice. T'en avais quand même assez, hein. Ouais, dans notre slot. Oh, je fais une. Moi, j'en ai pas dans mon slot, unlucky aussi. Eh, les gars, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Y'a Yurichi derrière moi. Yurichi. Moi je peux rien faire tout seul, c'est pour ça que je suis obligé de jouer. On se prend tous les groupes dans la gueule, provoquant la mort de beaucoup d'entre nous. Sans Muzan, sans Akimé maintenant, c'est très compliqué. Mais heureusement, je me fais aider par Fritos qui est rôle solo, Yurichi. Il n'a pas d'autre choix pour sa survie que de nous aider. Mais encore une fois, on va devoir s'enfuir. D'autres démons vont mourir, et je vais me rendre à une évidence. Nous ne sommes plus que 3 démons. Mais non, t'as pas speed, non. Non, moi j'ai pas speed. Non, d'ailleurs. Moi j'ai juste failli résistance, hein. Aussi j'ai force. Oh pardon. Mais non mais quoi? Gap. Ah. Je sais pas pourquoi je criais. Mais putain. T'étais un demi-coeur. Attends mais toi t'es qui toi? Ah ouais. Mais bien sûr que je suis avec toi. Mec j'étais en train de traîner. Salut. Ah ok. Alors salut mec. Ok, tu l'as tué. J'ai mis clic en fait. Gap. Ah merde. Mais je pense pas qu'il était un demi-coeur. Aïe. Malheureusement, j'ai tué un des derniers démons. J'ai vu un joueur se faire courser de nuit. Je me suis dit que du coup, c'était forcément un Slayer qui se faisait tuer par un pote démon. Mais en fait, non, c'était l'inverse. C'est le Kokoshibo qui se faisait sauter. J'avais oublié son pseudo et je l'ai tué. GG à moi. On arrive à tuer l'autre joueur, mais à cause de ça, nous ne sommes plus que deux, Gil et moi. Seul point positif, on a réussi à se retrouver. C'est maintenant qu'est notre dernière chance. Il va falloir bien jouer, fight le mieux possible, tout en restant assez séparés pour pas que j'ai mes effets négatifs en fight. C'est parti. Mais par contre, ouais, on a le solo, c'est. Vache. Pour ça, il est cravé, donc je peux le dire, c'est Fritos. Fritos et Thomas et Nezuko, on est d'accord. Oui, hein, ça, je l'avais déjà vu depuis le début, mais bon. Et tu peux pas fight quand on est deux, pourquoi? Bah, j'ai weakness et SNS, quoi. Quand t'es avec quelqu'un? Oui. Enfin, avec un démon. Donc, je peux vraiment pas fight avec toi. Parce que moi, en fait, moi, j'ai pas force, en fait. Donc, je peux pas fight tout seul. Go. Ah ouais, donc c'est vraiment à chier, quoi. Bah, tu veux que je te laisse tout seul ou un quoi, petit peu, ouais, je pense. Ok, bon, bah. Bah, y'a juste Gil, Gap. You, sympathique, là. Narendra, t'es où? Salut. T'as pas beaucoup de vie toi? Eh, hey, t'as masqueur en fait. Bah ouais. Ah oui, mais t'es l'assassin, d'accord. Bien. GG. GG.
J'ai réussi à tempo, nickel. Bien joué. Bah, c'est parfait que tu en aies pris deux comme ça, j'ai pu en tuer. Allez, viens. Non, 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 2v2, c'est bon. On peut les fumer. Respect, viens à la distance en sécurité, Gil. C'est 10. C'est bon, déjà. Nice. Oh, tu me casses. Oh, j'ai 24 capoles, mec, j'ai 24. J'ai 26. Capoles. Je suis assassin plus oui, du coup, j'ai 13 coeurs. Ah oui. Y'a pas des bots là-dedans hein. On peut pas les tuer. Non, non, non. Daiko, il a speed 10 en plus. Je crois qu'on est vraiment les deux derniers démons, je crois. Hein. Oui, clairement. Juste au-dessus de toi, y'a Nesuko. Juste au-dessus de toi, je te le dis, voilà. On est en train de passer sous là. Ok, go. Non, c'est faux. Ils sont en sécurité. Allez, go. Vas-y. Allez, mec, hein. Let's go, hein. Putain. Y'a fait. Ouais. Ah, merde, il s'est fait quelque chose. Ah, il bug. Toto, oh, ouais. Vas-y, filme-moi. Ouais, ça va que ça, je crois. Ah, oui, effectivement, on se fait clean. Ah, bah, yes. Effectivement, derrière. Ah. Ah mais on se fait clean alors. Le petit relais. Il est en train de fight en groupe, exceptionnel ça. De quoi? Mais il était solo, le mec, vous étiez en train de fight. Il est leader, il est leader. Non, on était en 2v2. Non, pas du tout en fait, frère. On était en 2v2. Impossible cette game. Impossible. J'ai mec. Impossible, on se fait clean la sortie. Et encore une fois, on se prend un groupe en plus. Et cette fois-ci, c'est Gil qui va mourir. Je suis le tout dernier démon. La situation est désespérée, tout semble perdu. Sauf que rien n'est terminé. Je l'ignore encore, mais il reste non pas un, mais deux solos. Il reste Fritos, le Yorichi, mais également le Shinjuro. Si on arrive à se réunir, nous pouvons former un groupe de trois solides et peut-être tenter quelque chose. C'est notre dernière option. Nous sommes les derniers en vie. Nous devons nous entraider. Et en tant que dernier démon, je suis le dernier espoir. Bon bah GG. Il reste Gap et Fritos là. Ouais. Ah j'ai. Ouais. Salut. Ah, derrière. Ah. Ah il est. Il est solo glaive. Oui on est deux, on est trois solo. Ok. Voilà l'entrée des. Ouais, je pense que les gars là. En fait, Gabe, j'ai essayé de te retrouver juste après le désastre. Bah là, on peut les faire avec toi. Ouais, vas-y. Lui, il fout de la tatane au Musan. Du coup, le fait qu'il ait tué Nezuko, ça fait quoi en fait? Il perd. Hein? Mais. Bon, faites ceux qui sont en bas. Ah, c'est frère. Ah, mais d'accord. C'est qui? On est déjà kiné. Non, c'est bon. Ça va. Ah, bah non. Ah mais... T'inquiète, ça marche quoi? De rien. C'est groupe de 3 en fait. Oui. C'est pas nickel. En gros ils sont déjà 2 dans le fight, donc là en gros vous êtes 4. Ah merde, pardon. Ah non. Oh mais c'est de la merde. On fait comment là? Ah. Bah oui mais... Non, non c'était 3v3 au départ. C'est bon là les gars, c'est bon. Ah ouais. Il a pas besoin, il a pas besoin. Ah mais... Mais Fritos par contre, non, non, t'as rien à voir. Bah si. Ah mais il est chez mais... Il est chez Joro. Je suis bien, moi, je suis bien. Mais ça. Fais gaffe, hein. En vrai, là, je peux gagner, mais ça va être chaud. Je peux gagner si. En vrai, en groupe de 3, on est très fort avec les solos. On est très fort avec les solos. C'est le truc qui peut nous faire win. J'espère juste que je vais pas me retrouver contre plusieurs démons, sinon c'est la mort. Plusieurs slayers, je veux dire. Eh bah, merde. Viens là. Salut, ça va, mec? Ça va bien, toi? T'inquiète, hein. T'es chez nos copains, j'arrive. C'est possible. Il a quoi comme effet à Kaza? Juste pour savoir juste force. Juste force. Oui. Ah, ok. Salut. Salut. Ouais, ça fait mal la force en fait. GG. Bah non. Salut, désolé. Omega, le sauveur. J'ai vraiment entendu les groupes longtemps. Hein. Salut. Putain, je peux pas de boost. C'est trop loin. Il a pris 18 blocs de câble. Yes. Bah, c'est pas la bonne info là. Yes, bon bah GG, la bonne game. Aïe aïe aïe, c'était sûrement la partie la plus impossible et la plus malchanceuse que j'ai pu jouer. Genre j'ai jamais vu ça. Entre les groupes pas du tout respectés pendant la game, le Musan qui meurt dès le début, et forcément le Senimi à la fin qui me TP à côté de 3 slayers. Il n'y avait littéralement rien à faire, c'était impossible. La seule erreur que j'ai pu faire c'est de tuer le Kokushibo. Désolé pour lui d'ailleurs, c'était triste. Mais au fond, je sais pas si ça a vraiment changé grand chose, vu tout ce qu'on s'est pris dans la partie. Dommage. On n'était pas si loin de dominer la partie finalement, ça s'est joué à une chose. Si le Musan avait reçu mon bloc de bois, il aurait pu tuer Nezuko et il serait devenu complètement OP. Mais finalement, ça n'est pas arrivé. Et tout a très vite dégringolé. J'ai tenté de remonter la partie en faisant des kills, mais c'était impossible.
possible et les Slayers ont gagné. J'espère que cette partie vous a plu. Elle aura peut-être été un peu frustrante, mais il y a eu de beaux combats et de la stratégie intéressante au début. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous lis tous, promis. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très vite en vidéo ou en stream. D'ailleurs, ce soir, je stream un Sky Defender à 21h. Ce sera sur Twitch, hein, comme d'habitude. Bref, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.